Alors, voici le jeu It's a Match. C'est un jeu qui est très amusant. C'est pour aider l'enfant à faire de l'association avec, avec les différentes images. Et c'est autocorrectif. Alors, je vais vous montrer comment qu'on joue. Alors, la première chose qu'on fait, c'est mettre les tuiles à la bonne place en haut ici, sur la première ligne. Vous pouvez voir ici, j'ai mon carré jaune, le orange, le vert. Alors, je vais mettre les autres. Alors, le rouge, après ça, le bleu. Et le violet. Alors, les instructions sont écrites en anglais, en français, en espagnol. Alors, celui-là, il dit « jumeler le ballon avec la forme correspondante ». Alors, celui-là, je vais prendre mes ballons. Alors, mon ballon rond, je vais venir le descendre à la bonne place sur mon ballon rond. Lui, avec les petites oreilles, je vais le descendre à la bonne place. On travaille la motricité fine en prenant aussi les petits carrés avec index pouce et le mettre sur les bons carrés. Alors, on travaille vraiment cette habileté-là aussi. Et associer. Alors, le petit cœur vient ici. La petite balloune ondulée, elle va venir ici. Et le dernier, on va le mettre ici. Une fois l'enfant fini, il y a un petit panneau ici qu'on peut juste descendre. Oups. Difficile à une main. On fait juste descendre le panneau. Et l'enfant peut s'auto-corriger. Alors, rouge avec le fond rouge, le carré jaune avec le fond jaune, mauve, mauve, orange, orange. Alors, on a toutes les bonnes réponses. Si jamais l'enfant a une erreur, comme ça, on va descendre le petit panneau. Alors, on voit que c'est rouge, rouge, ah, mauve, jaune, jaune, mauve. Alors, les autres, c'est toutes des bonnes réponses. À part ici, on a fait une erreur. Alors, l'enfant, en se auto-corrigeant, il va être capable de voir qu'il y a une erreur. Alors, il va tout simplement l'enlever. Remettre le panneau. Après ça, on peut le mettre en haut ici. Fait qu'on va remettre le mauve et le jaune à sa place. Après ça, l'enfant va faire le bon choix. Il va se corriger. On va le remettre ici. Et voilà. Alors, il s'est tout corrigé. Il a toute la bonne réponse. Sur le côté ici, il y a une petite serrure sur le côté pour être sûr que le livre reste en place. Alors, on fait juste le débarrer, glisser le livre. Et chaque livret a 24 pages. 24 pages de différents niveaux de difficulté. Alors, c'est toujours un jeu d'associés, association. Alors, on va jumeler les animaux qui sont pareils. Alors, tu as deux livrets. Livret numéro 1. Le livret numéro 2. Ça, c'est le livret numéro 1. Le livret numéro 2. Les niveaux sont un petit peu plus complexes. C'est la même, les mêmes sujets, mais juste des niveaux plus complexes. Fait qu'exemple, ici, on voit les légumes, mais on les voit rapprochés. Alors, on commence toujours avec le niveau 1. Et le plus qu'on se rend à 24, le plus que le niveau de difficulté augmente. Alors, une autre option qui est vraiment le fun pour être sûr de ne pas perdre les morceaux, c'est quand on enlève les morceaux, on peut tout simplement les ranger ici en arrière. Je vais juste les insérer dans le petit compartiment. Comme ça, alors vous mettez tous les morceaux. Alors, ça va vous permettre de ne pas perdre les morceaux. Alors, It's a Match, c'est un jeu qui est vraiment le fun dans l'auto. Quand on va chez le dentiste, le docteur, où c'est toujours de l'attente, les enfants vont avoir des heures de plaisir avec le jouet It's a Match. Alors, amusez-vous!